Alors, dans le cadre de cet entretien qu'on va avoir, le déroulement va être très succinct parce que je sais que vous avez un emploi du temps chargé. Donc, ce que je proposerai, c'est que, une fois que j'aurai terminé donc d'exposer mon discours, donc en langue française et bien entendu en langue anglaise, je propose donc à celui qui a été assigné à cette tâche donc de répondre et ou éventuellement de prononcer les quelques mots au nom donc de la délégation. Et ensuite, si vous permettez, dans le cadre d'un échange qui va durer à peu près 10 minutes, on va essayer de faire short. On va faire donc un peu ouvrir un petit débat ici. Et lorsqu'on aura terminé, ce que je vous proposerai, c'est tout de suite nous rendre au Farépoté, qui est en annexe de notre assemblée, mais toujours dans l'enceinte de l'assemblée, pour partager ensemble une petite collation. Et ensuite, selon la coutume et la culture et la tradition, donc vous remettre quelques présents. Et ensuite, je vous libérerai pour que vous puissiez poursuivre votre emploi du temps de la journée. Yes, in the schedule that we have fixed, I propose on the first part to expose the topic from the chair, and then after I will leave the member who are assigned to talk on behalf of the delegation to ask to the topic. Then after we will have something like debate between the members of this assembly and your people, and then after I will invite you to rejoin Farépoté. It's a place that we can share a short collation and due to the tradition and the culture of my people, we will exchange present. And then after I will let you go on your schedule, because I heard that you have another appointment with the High Commissioner, and then after you will be invited by the President of the country, Mr. Temaru. Thank you. Your Eminence and Archbishops of the Pacific, distinguished guests, ladies and gentlemen, dear colleagues, my name is Anthony Juros and I am the current speaker of this House. I was elected by a majority of the Assembly representatives on April 14, 2005. It's indeed a great honor for me to welcome you into the House of the People, commonly known as La Maison du Peuple, Tefareoté Nouna, situated right here in the heart of the city of Papeete, on the Tarahoe ground of the former royal palace of the Pomare dynasty. We have been aware of some of your discussions and submissions of views during your staying, but as requested by His Holiness Pope Benoit XVI. Assuredly, it's really obvious to follow with humility the teaching of the Lord when He taught us, if a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. The unity is and should remain the main goal. This is what has been my main objective since I've been elected as the President of this Assembly. The Assembly of French Polynesia is the third institution of the country. It's a deliberating body with normative functions and executive control. This local parliament votes resolutions in all sectors that are part of the territory competencies, except for executive body related resolutions. Since the passing of March 2, 2004, organic law concerning the statute of autonomy
and which established French Polynesia as an overseas country, the Assembly can also vote country laws in fields that fall within the competence of the French state so far. The elected members of the Assembly vote for the President of French Polynesia. The last elections were held this year on March 3rd. This Assembly is made of 57 country representatives, representing the five archipelagos of French Polynesia. They are elected for 5 years. The general pattern shows that the UPLD majority counts 29 representatives, opposition 24, and 4 in the center, what you call the independent. The country representatives also elect presidents of the different legislative commissions and the president of assembly, in charge for 1 year. Since the legislative elections of March 6, 2001, the parity bill now bans that the number of women matches the number of men at the assembly. I guess you don't have this kind of parity problem so far. Other than administrative and budgetary sessions, the Standing Committee, which is a restricted assembly, is the deliberative body of the assembly. Besides, in accordance with the principle of parliamentary government, the assembly may impeach the government with a majority no confidence vote. On the other hand, the assembly can be dissolved at the request of the President of French Polynesia by a decree from the Council of Ministers of the French government in Paris. These are some provisions that may highlight your knowledge about my institution. Due to the shortening of our both living schedule, let me say once again, as President of the Assembly of French Polynesia, and on behalf of all the members of this local parliament, it's a great blessing to welcome for the first time of the history of this house such a prominent delegation of archbishops, and I wish that the work you are doing right now will benefit our island countries in the Pacific to continue to live according to the Christian values. In front of the contemporary globalization, strong ethic and Christian values should allow our islands to cope with all the disorder that may come. I will conclude my topic by emphasizing that some of these important Christian values has to do with respect, love, and tolerance. Again, I really and deeply thank you for taking the time to come and visit us. It's a real blessing. Maruru. Alors bien entendu, je vais également faire un petit discours en français pour que les évêques et les archevêques de langue française puissent partager également ce précieux temps que nous avons décidé de partager ensemble. Donc, Votre Excellence, Monseigneur Hubert Coppenrath, Messeigneurs les archevêques et évêques du Pacifique, révérend vicaire de l'archevêché de Polynésie, chers invités, mesdames et messieurs, chers collègues. Donc, permettez-moi de me présenter Anthony Géros, président de l'Assemblée de Polynésie française, élu le 14 avril 2005. C'est assurément un grand honneur pour moi de vous accueillir en ce lieu plus traditionnellement appelé la Maison du Peuple, Te Whareotenu'a, situé au cœur de la ville de Papeete, à la place Tarahe, où était édifié autrefois le palais royal de la dynastie des Pomare. Nous partageons votre souci d'unité, qui est un des thèmes de votre réflexion œcuménique, je suppose, et comme l'a si bien rappelé à plusieurs reprises sa sainteté le pape Benoît XVI, nous aurons de cesse de nous référer à cette parole du Seigneur qui dit «
Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut survivre. L'unité est et doit demeurer le maître mot. C'est ce qui a été du moins mon principal objectif depuis que j'ai été nommé aux fonctions de président de cette Assemblée. L'Assemblée de Polynésie française est la troisième institution du pays. C'est une instance délibérative avec des compétences législatives et une fonction de contrôle de l'exécutif. En fait, c'est un véritable Parlement de type self-government. Ce Parlement local prend des décisions dans tous les secteurs qui relèvent de la vie publique, privée, sociale et économique du pays, l'État gardant les compétences dites de souveraineté. Ce Parlement a vu sa stature et son importance s'accroître avec le vote de la loi du 27 février 2004 qui lui a conféré un rôle clé en matière d'élaboration de lois du pays, lesquelles s'apparentent aux anciennes lois votées dans les mêmes matières par le Parlement français. La Polynésie a désormais un statut de pays d'outre-mer qui la rapproche beaucoup du statut des dominions. L'Assemblée est composée de 57 représentants issus de 5 archipels de la Polynésie française et élus pour 5 ans. Sa composition politique est la suivante. La majorité UPLD comprend 29 membres. L'opposition Tahuera compte 29 membres. Et nous avons également 4 représentants déclarés non inscrits, que vous appelez plus communément « independent ». Les représentants élisent le président du pays, comme cela a été le cas avec M. Temaru le 3 mars dernier. Le président de l'Assemblée et les présidents des commissions sont élus pour un an. Notre Assemblée a cette particularité d'être composée selon le principe de parité depuis les élections du 6 mars 2001. Nous sommes de ce point de vue largement en avance sur le Parlement français, qui, pardonnez-moi cette petite référence, a tendance à ressembler à un club anglais. Cette particularité s'est encore accentuée depuis mars 2005, puisque les dames sont désormais majoritaires dans notre Assemblée. Je pense qu'à votre niveau, cette question ne se pose pas encore. En dehors des sessions ordinaires, l'Assemblée ne cesse pas de siéger, mais il s'agit alors d'une formation réduite, dénommée commission permanente, qui comprend 21 membres, composés à la proportionnelle des groupes. Comme je vous l'ai indiqué plus haut, nous sommes dans un régime de gouvernement parlementaire, ce qui implique que l'Assemblée peut renverser le gouvernement du pays en adoptant une motion de censure à la majorité absolue de ses membres, donc 29. Néanmoins, l'Assemblée peut être dissoute, mais seulement par le président de la République à la demande du président du pays. Et nous sommes bien placés pour le savoir, et uniquement quand il y a blocage des institutions ou un changement de statut. Vous pourrez constater beaucoup de ressemblances avec vos propres institutions parlementaires, de ce point de vue du moins. Le temps malheureusement nous est compté, ce qui m'oblige à écouter cette agréable rencontre. Permettez-moi de conclure en vous faisant part, au nom de tous les représentants, du plaisir que nous avons eu de vous accueillir et en vous remerciant de l'honneur que vous avez fait à notre institution. En effet, c'est la première fois dans l'histoire de notre maison que celle-ci accueille autant d'archevêques et à ce titre, je formule le vœu que vos travaux permettent aux populations du Pacifique de continuer à vivre dans le respect des valeurs chrétiennes. Je reste persuadé que ces valeurs et cette éthique permettront de faire face aux défis, aux conflits et à la crainte qu'engendre la mondialisation. Je conclurai mon propos en insistant sur le fait que ces valeurs concordent pleinement avec les idéaux de respect, d'amour et de tolérance. À nouveau, du fond du cœur, merci d'avoir partagé ce moment fort avec nous. C'est une véritable bénédiction. Marururo. Monsieur le Président et tous ceux qui vous entourent, les élus et vos collaborateurs, au nom de toute la délégation de la CEPAC, je tiens à vous remercier de cet accueil auquel nous sommes très sensibles, et en plus cet accueil qui est proverbial en Polynésie, de telle sorte que dans le Pacifique, on sait que c'est un accueil incomparable. Merci pour cela.
La CEPAC, Conférence épiscopale du Pacifique, le terme d'origine était du latin puisqu'il y avait des anglophones et des francophones, Conferencia Episcopalis Pacifici, a été fondée il y a déjà de nombreuses années. On peut dire qu'un des membres fondateurs était le frère de Mgr Hubert, Mgr Michel Kopenrath, avec d'autres de nos anciens. Et cette conférence regroupe tous les diocèses et les juridictions ecclésiastiques qui sont à travers les îles du Pacifique, sur un espace qui est immense, mais en matière de distance immense, ça n'est pas la peine en Polynésie de donner de détails, on sait de quoi il s'agit. Puisque la CEPAC s'étend depuis les Mariannes du Nord, qui sont en gros situées entre le Japon et les Philippines, et jusqu'à Pitcairn, qui, pour ce qui est de la juridiction ecclésiastique, fait partie de l'archidiocèse de Papeete, bien qu'il n'y ait pas de catholiques à Pitcairn, à ma connaissance. Toujours est-il que nous nous retrouvons donc les responsables de ces juridictions ecclésiastiques, archidiocèses, diocèses, préfectures apostoliques, missions sui iuris, ce sont différents éléments qui correspondent quelquefois à des diocèses qui sont en cours de constitution. Et nous connaissons par exemple que des préfectures apostoliques deviennent ensuite des vicariats apostoliques et ensuite des diocèses, qui est la taille normale d'une église locale qui est arrivée à maturité de son développement. Nous sommes absolument tous présents ici, puisque certains ont dû rejoindre déjà leur diocèse et les avions n'attendent pas. Et comme certaines liaisons aériennes sont relativement peu fréquentes, ils ont déjà dû prendre l'avion cette nuit. Toujours est-il que nous les représentons avec plaisir pour recevoir cet accueil que vous nous faites dans votre assemblée, dans cette maison du peuple. Et vous dire que nous partageons aussi tous ces soucis, puisque, comme évêque, eh bien, nous avons pour particulièrement l'aspect pastoral et spirituel, la responsabilité des mêmes populations dont vous assurez la responsabilité sur le plan humain, matériel, de l'organisation de la vie. Et ce ne sont pas des populations différentes, ce sont les mêmes. Et donc nous devons nous adresser aux mêmes personnes, avec des points de vue, avec des compétences qui peuvent être différentes, mais sûrement qui sont complémentaires. Toujours est-il qu'il est nécessaire, à mon sens, et j'étais content de vous l'entendre dire, que nous ayons dans le cœur des principes solides qui nous permettent d'avoir comme un guide, comme des valeurs qui nous inspirent dans toute notre action, et qui nous permettent, si vous voulez, comme les marins qui étaient guidés par l'étoile de la mer, de ne pas perdre les orientations qui sont fondamentales, qui sont celles de tous les hommes de bonne volonté, et vous devez faire avec toutes les personnes de bonne volonté, nous, avec les fidèles de l'Église catholique, mais aussi avec les autres chrétiens, parce que l'écuménisme est fort dans notre région, je sais fort aussi dans ce diocèse de Papeete. Nous devons essayer de travailler au mieux pour faire progresser. On dit dans les paroles du rituel de l'ordination des évêques et des prêtres qu'ils sont au service des hommes dans leur relation avec Dieu. Mais pour être en bonne relation avec Dieu, et c'est ce que nous redisons souvent dans la prière, il faut être en bonne relation les uns avec les autres. La vie n'est pas toujours simple, il faut être capable de pardon, de réconciliation. Dans nos rencontres, nous avons échangé quelquefois sur un certain nombre de cas où il a fallu du temps, des années, 10 ans, 15 ans, pour arriver à de telles réconciliations. C'est une chose qui est nécessaire et que tous ceux qui s'occupent des autres, qui servent les autres, doivent savoir, doivent connaître. Un travail de patience, mais aussi un travail de détermination. En vous rencontrant, donc, je ne veux pas allonger mon propos, mais je veux encore une fois, au nom de tous mes confrères de la CEPAC, vous remercier pour cet accueil qui nous réchauffe le cœur. Merci. Mauro Duc.
Merci beaucoup. Donc, comme nous l'avions initialement prévu, donc si les membres de notre assemblée ont des questions à poser aux évêques et aux archevêques ici présents, donc on a aménagé un espace de discussion de 10 minutes maximum. Vous avez la parole. Your Honor. Hello. We're very honored to have you among us. This is a blessing, as our president said. It is true that we're in the house that makes laws. And in the past, laws always came from God, the Ten Commandments, and men and women would follow the rules of the Lord. Today we are separated, and to see you back in the house with the rules, I mean, brings a certain spirituality back into this house, which is very necessary when you are in politics. Politics has to be done with more rules and with integrity. We are happy to have you among us. This is the desire, I think, of all of us here. We might have done it. I don't know. We are not perfect, but we try to be perfect. We are not here to fight the bad. We are here to share the love. And I do have a few questions. Knowing that rules come from the Lord, not so long ago, a couple years ago, the Pope at the time wrote a paper called the Oceania Rerum that was destined to the people of the South Pacific. I never managed to get a hold of this paper, and I would have liked to read it clearly, completely, what the Pope gave as rules for the South Pacific in matters of culture, identity, and land. Today we are going to pass a convention in matters of cultural heritage, and it will bring us to share, identify cultural elements of our culture, and it's done by the UNESCO. And it will also allow us to have access to elements of our culture. And all over the world, there are pieces of our culture in museums. And it is true that for us people of the South Pacific, we know that there are elements of our culture in the Vatican. And if someday we will be able to have access or know where these elements are, to see them and maybe to have copies brought back to our country, so that our cultural, spiritual part of our country is reestablished. This is very important, because I think we must all work together so that our heritage comes back and helps our people have self-esteem again of themselves. And it is true, I was very happy that our president said something. In politics, women are now present. The day that women will be present at the same place as you archbishops, I believe that the balance of love will be reestablished on earth, because in women we have the divine part just as much as you men. And this would be a blessing too, the day that women will be on the same balance as men in matters of spirituality. Maruru. Thank you. Roberto. I ora mai tō tātou nei whareireid ā, te mau tawini no te atua, i hamai te ehi a tō tātou tatu i etu metia, tō tātou whareireid ai te api. Te hinaro nei te manoana muaroa,
e hamaru mai te i tō tātou me tū au Uber, e tēnau atu i tēne e tareti a tātorita, o iho i a te tumu i a tātou i wharerei e i te imhano. Me ia oe te me tū au, e tēnau atu i te mūt atātou i hui ia oe, e te tareti a toa, i orana i tō tātou wharerei e i te imhano. Wariro i te imhana, amhana wharerei anu tātou, i roto i te imu tawini o te atua, e parhenei i roto pui te imu ana patiti whātou tātou. E te hap onei te mō mamoe na te atua, e te hap ira i te parau na te atua, i ane nhe tātou, i e te e te waira tō tātou atua, e orana i roto i tō tātou reiau. Wariro atua te e wharerei anu tātou i te imhana, me matu te tata porutita, e rawea tau turu atu i matu, i roti te mō tapuru hui pata matu. E rawe nei roti tō tātou whenua no te nuna. Me te peue, matu unua tō matu harera. E aita te prauna te atu e hui matu, me a fofa a orei a tō matu harera. No rira e oa warhei, tō te mana o tō tātou amuira a mei te e mhana. Mana o wau, na te taui, e whatupui tō tātou wharere e te e mhana. I hamai te ehi ao te atua, e te tawinira, ta o tu e tawinira i roto i tara paruita e tara paruita, a ti ea tō tātou nei moana patiti whanei, i hamai te ei ta o tō tawinira, i ar heitua ta o tō pure, no mātou i whea portita, i hamai te ei tō tātou whenua, e au, i tara praue, te prauti e te prahumau, e wharere i raua, te arwha e te hau, e hoho i raua, i hamai te e mea te atu e tātou maruru. On demandait à Myron de traduire ce petit propos. Dear bishops, on behalf of all the representatives here, we would like to address to you our best wishes and welcome to our country as we know that you represent the gospel of our Savior Jesus Christ, and then also that you have the great pattern of looking after the sheep of God in all the different countries. We would like to say that you have a great, great, a task in doing the best so the people can stay closer to our Lord, that the gospel may guide us in our life. We know that you're doing a great job, and that this is in summary of what our brother Teddy Tell said. So may I add up that it is a great privilege and an honor for us to have you with us today, and to share with you some of our thoughts as we are all Christians, that we are all believers in the gospel of our Lord Jesus Christ, and that we believe in God. We believe that we are all in the same house, and that we are here to serve the Lord. We thank you very much to be here with us. Maruru Yorana. Voilà, merci beaucoup Myron. Alors tout à l'heure, lors de la rencontre, j'ai présenté donc la deuxième vice-présidente de l'Assemblée qui nous vient des Australes. Et là, je vais céder la parole à Monsieur René Komuetini, alors qui nous vient de l'autre extrême de la Polynésie, c'est-à-dire des Marquises. Merci Monsieur le Président. Et là, je suis obligé de m'adresser à tous ceux qui sont dans cette enceinte en marquisien, ce qui est normal. Alors, on n'aura pas de traducteur. Vous allez vous débrouiller pour traduire. Puisque nous avons ici, bien entendu, l'évêque des Marquises, Monseigneur Guy Chevalier, qui est ici présent, qui a appris beaucoup le marquisien, qui pourra donc vous traduire ce que je voudrais. Vous dire en marquisien. Et bien entendu, je voudrais vous adresser en anglais, mais j'ai perdu un peu
l'anglais, puisque je parle plus en anglais depuis pas mal d'années, peut-être plus de 23 ans, je n'ai plus parlé en anglais. Mais I can speak English. Et voilà donc ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président, et à tous ceux qui sont ici, les évêques, les archevêques donc du Pacifique, et combien nous sommes heureux de vous accueillir ici. Et puis c'est une première. Et j'ai vécu longtemps dans cette enceinte. Cela me fait donc 23 ans en tant que conseiller territorial, et maintenant que le statut a changé, le nom du conseiller territorial, c'est maintenant, on appelle des représentants à l'Assemblée de Polynésie française. Et quand on y a auto ou pas auto, notre tatou a vu, il y a été né pas. Mais pourquoi te manquau, il y a auto ou été tau, motua et picopo, noté et noua ou patitifa. Et te ané, et ma auto, te apou, à te prétitene, ou te apora kauo, et te tau, kino et tune, auto te apora kauo, et pourquoi ne manteau, et te ave, mais auto. Mais autour de tau motua epikopo, note no patitifa, et note mea metata nuyoko de tau hana ta auto hana note pue iau te ua kiritiano. Te ua kiritiano no te kekeo tenua o polinetiane, e vipu te no patitifa. Mehe mea ta mantou, yo toto mantou pue ia no te hano hamita it pue iau te mata eina. Mata e nai o tō pōi o te tino. E ati o tō, o tō i o tō te hakako, ha pohu e te te kao tat e tua. O tō pōi ia o te enana, no te mea ia hakata hei, e nā mea ne e ua. O tō ke keo te hamita ia te pohu e no te tino te pōi ena, no te kuhane, e tō te tua te minta e o tō te pōi o te mata e nā, te inahenua, te inahenua, e te inahenua. No ki nā, iau nei, tia tohu, no te keke o te nua ena nā au nei, o au e ti tai o tō e tū tino, no te keke o te nua nei, tū mai o tō te apora ka uo, o un ea te tieti a nei, mao tō te ikua o te ea ia tau tino e tū no te keke o te nua ena nā, i o tō o te nei a hae no te mata ena, koko ane te mankau, no te ave ia me o tō, e te tau motua e pikopo e ahi nei, e o tō tātou putu ia i o tō tātou henua nei, e putu ia taitai nioko no te mei o tō te kaituto, ia no te hakatu ahi ia, kawe ia, te te kao na te etua, o tō te pohue ia, o te tau mata e nā, e tā o tō e pohue e hāpau te inahenua, te inahenua, e te inahenua. No ia, koutau nui ia o tō te apu ia mai tene maumakau, poto tō au, i ko ana i te tuku atu i wāwaka o tō. Ko utaunui a pae, i ahuan ai o tō, o tō 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 tau henu. Pour résumer l'intervention du représentant René Kouetini, représentant les Marquises depuis longtemps, nous sommes dans la joie aujourd'hui avec cette rencontre, vous, les évêques du Pacifique, qui êtes accueillis par notre président et par nous, les représentants de l'Assemblée de Polynésie française. C'est important pour nous parce que c'est vrai que nous travaillons de notre côté à tout ce qui regarde la vie matérielle, corporelle des différents peuples, et en Polynésie et dans le Pacifique, nous en Polynésie. Mais nous sentons bien que s'occuper uniquement du matériel, du corporel, est insuffisant. Et vous, votre rôle est davantage de s'occuper des mêmes populations, mais plus sur le plan spirituel. Nous avons besoin d'être guidés par l'intérieur et de vous compléter notre travail. Les uns et les autres, nous avons à guider les populations. Chacun, nous avait un rôle sans doute différent, mais complémentaires, et c'est heureux que nous le retrouvions aujourd'hui. Nous nous en réjouissons tous, avec beaucoup de joie. C'est la première fois que cela se passe dans cet hémicycle, et je vous dis merci
et au revoir. Je pense qu'on va écouter là, on va pouvoir poursuivre une petite conversation farépotée, compte tenu du, comme je disais tout à l'heure, de l'emploi du temps qui est assez serré. Et donc je vais proposer à la délégation de poursuivre notre périple en nous rendant au farépoté, qui est en annexe de l'Assemblée. Donc vous allez suivre le guide qu'on a mis à disposition pour vous amener vers ce lieu. Et encore une fois, merci beaucoup.